retrouve pour la quatrième partie avec enfin le quatrième chapitre de la campagne du chaos sur Warhammer Mark of Chaos. On est parti pour terminer cette campagne ce soir, qui va à mon avis faire très mal. Parce qu'on a l'escadron du clan Skyward d'un côté, il semblerait que Torgar soit de l'autre côté, là qui revient des désolations chaotiques, en mode prince démon déchaîné. Il va y avoir du grabuge. Du gros grabuge. Alors, on est parti pour le marteau de justice avec les Skaven. Avant d'atteindre Talabheim, il y a un obstacle difficile à franchir. Construit par les meilleurs ingénieurs impériaux et nains, le marteau de justice est un gros canon qui protège l'accès nord de la cité. C'est parti. Alors lui, il a repris un point. Alors, on va partir sur nos Jezaï. Ce canon à mal foudre. Ces guerriers des clans. Ces vermines de choc. Les Remomon. Les Globadiers, bien sûr. Et le coureur d'égout. Alors, Feskit, on va mettre avec les guerriers des clans. Le seigneur du guerrier ici. Serviteur idiot réclame ma grande compétence. Bienheureux, vous qui bénéficiez de ma magie. Existe un plan plus astucieux. Gros canon, nous tuer tous. Nous devoir le détruire. Ok, on va faire le contourner, je pense, ce canon. On va le contourner. Un plan de génie demande beaucoup de travail. Mes serviteurs vont prendre des vies pour ma plus grande gloire. Quel ennemi souhaitez-vous voir détruit? Ordonnez, nous soupirons. T'as une énorme scène. Ce plan de bataille est parfait. Nous allons réaliser ce plan grandiose. Votre plan est prêt. Préparez le canon. Feu, misérable esclave. Nul ennemi ne peut arrêter le clan Skyer. La mort vous a donné l'âme. Pas de quartier. Préparez la charge. Le plan, ça va être de se cacher derrière les murs, si j'ai bien compris, pour progresser. Ouais, il faut se cacher derrière les murs, ça je l'ai bien compris. Là, il y a un point de capture, là, il faudra le récupérer. Esclaves, préparez-vous. La mort vous attend.
Les seigneurs de la déchéance nous récompenseront en main. Préparez la charge! Feu! Prêt à tirer! Canon tiré! Vite! Se cacher! Bon, ça va, le mur nous a protégés ici. Quoique, on a eu quelques pertes. Et encore des rangers nains de brun de merde. Déplacez le canon, misérable esclave. Que désirez-vous, mon généreux employeur? Mes maîtres sont le conseil des 13. Voyez la puissance de ma magie. Oh oh. Le canon. Sors de là. Bon, ça va, on n'a pas l'air d'avoir eu de perte cette fois. Bien joué. Putain. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder à hauteur avec ce canon? C'est quoi ça? Des rangers nains. Restez derrière vous. Ouh, le nombre de guerriers des clans qui est tombé, là ça pique un peu. Nettoyez, rechargez de ma pierre. L'empire du dessous s'étend. Que le raccord n'y soit loué. Que le raccord n'y soit loué. On pêche c'est au maximum. Logiquement, le canon il peut pas pivoter de l'autre côté là, si je passe là. Pour moi, il y a un chemin là. Le clan Scryer offre ses services. Je vais vaincre. Je vais rester derrière ce pan de mur pour le moment. Mon clan sera le plus puissant des clans. Préparez la charge. Feu. Il y a beaucoup de malpierre à gagner ici. Canon tiré, vite. Ok. Avancer par là. Cette position n'est pas la meilleure. Parce que moi. Nettoyez, rechargez. Abondance de malpierre apporte plus de puissance. Ordonnez, nous obéirons. Des ombres sont là. Notre portée est longue. Tuons-les tous. Si on se planque derrière ce mur, je pense que là on est tranquille. Les technomages mettent leur puissance à votre disposition. Préparez la charge. Feu. Bon, tant qu'il me tire dessus, ça me va. Tant qu'il tire sur mon unité de guerrier des clans. Ah. Nos balles sont meurtrières. Nettoyez, rechargez. Ce nouvel emplacement est parfait, mon général. Encore plus de malpierre. Les serviteurs ont bel et bien gagné, nous obéirons. Nous allons réaliser ce plan grandiose. Nos balles sont meurtrières. Je n'ai rien à faire ici. On bouge, allez. Oui, oui. Notre portée est longue.
Recule et recule derrière les murs. Oh putain. Ok, focus mes guerriers Skaven, ça me va d'un autre côté. Ces idiots d'ennemis sont faciles à éliminer. Bon, j'ai pris un peu cher, mais ça va, je m'en sors. Ose me dire qu'il peut tirer là, non, là je suis pas d'accord le jeu. Hein. Les niveaux d'énergie sont critiquement en commandant. Mon pouvoir est invincible. Préparez la charge. Feu. Les rivaux canons tirés. Vite, se cacher. Oh, il peut pas tirer, ça c'est plutôt pas mal. Je vais rapatrier mes deux gars, mes deux unités qui ont mangé. Je vais raser tout le camp, j'en profite. Comme ça, ça me fera des fonds en plus, ça peut toujours être utile, effectivement. Voilà, l'âme de terreur au maximum. Encore plus de matière. Il me faut un plan particulièrement intelligent. Les fils des ombres sont là. La mort vous a trouvé. Une armure ne peut nous arrêter. Très heureux de vous servir. Très intelligent. Je vais installer mon camp ici. Voyez la puissance de ma magie. Ma grandeur s'étale devant tous. Bon, ça va, le canon est bientôt, il est à moitié mort. Mon pouvoir est avancé, il est bien gagné. Encore plus de malpierre. Aux ordres de clan Strayer, sème la mort. Craignez la puissance du clan Strayer. Aucune armure ne peut nous arrêter. Oui, génial, maître.
généreux employeur. Aucune armure ne peut nous arrêter. Nous allons réaliser ce plan grandiose. Je vais vaincre. Alors lui, il est maître, c'est parfait. Allez, on va l'achever ce canon. Quel ennemi souhaitez-vous voir détruit ? La mission spéciale la plus secrète est un succès. Le gros canon est tombé. Putain, j'ai envie d'en avoir des comme ça dans Warhammer sérieux. Oui, le coup d'entretien il est explosif, mon man. Enfin, je disais, mon man, le coup d'entretien il va être explosif. On récupère 7500, c'est vraiment très bien. En vrai, grâce au cristal, on a limité les pertes, ça c'est bien. Rendons-nous au carrefour. Mais t'imagines un canon par faction, par compte électeur comme de ce type? Alors, le point de ralliement des hordes de Torgar se trouve à l'ouest. C'est là que les forces du chaos vont se rassembler avant l'assaut final sur Talabaim. Au sud-est se trouvent les fidèles plaines de mort. Cet immense cimetière regroupe les tombes de soldats tombés à la bataille des portes de Kislev, ramenés sur le sol de l'Empire pour être confiés aux prêtres du dieu de la mort. Ces prêtres ont maintenant fui l'arrivée des armées Norse. Et il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer dans les tombes. Ok, donc. Ok, bon, on va y aller. On va aller récupérer ces objets là. Bon, on est plutôt riche, hein. Je pense que l'armée de Torgar, là, on va lui récupérer quelques canons parce que à chaque fois que Torgar, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Les canons, bah, hop. Donc ça, je peux me rendre directement, mais on va faire les pillages de tombes, bien sûr. Kaskit espérait trouver le fameux orbe d'éclair quelque part parmi les tombes. Cet artefact a été volé au Skaven par rapport à Mandred. Imagine le moment quand tu confédères tout l'Empire et que t'as tous les canons de chaque. Tous les gros canons de chaque compte électeur, là c'est la banqueroute totale là plutôt. Je pense qu'en 1h30, 1h45 sera terminé ce dernier chapitre.
plan grandiose. Suivez-moi, serviteur incapable. Ces serviteurs idiots réclament ma grande compétence. Bienheureux, vous qui bénissez. Orbe d'éclair là-bas. La chercher, la veut. Ok, alors. Chercher et récupérer les deux autres objets valeurs dans les critères. Eh ben, on va les faire. On va fouiller. Ah là là. Que désirez-vous, mon généreux employeur ? Les seigneurs de la déchéance m'ont envoyé. Mes serviteurs vont prendre des vies pour ma plus grande gloire. De Malpierre apporte plus de puissance. Ces imbéciles d'ennemis ne s'attendent pas à me voir. Chargé et prêt, maître. Encore plus de Malpierre. La mort vous a trouvé. Les serviteurs ont bel et bien gagné. J'aurai beaucoup de Malpierre. C'est facile à poutrer les squelettes dans le jeu. En même temps, c'est des gobelins, quoi. Les ombres attaquent. Je suis le héros du raccord nu. Le clan Eshin vous servira fidèlement. La mort vous a trouvé. Les serviteurs ont bel et bien gagné. La mort va frapper comme l'éclair. Vous voir détruit. Je suis la Malpierre. Le clan Scryer gagnera cette bataille pour vous. Acquisition de nouvelles cibles. Mon pouvoir est invincible. Encore plus de Malpierre. Les seigneurs de la déchéance nous récompenseront en Malpierre. Fantôme hurlé. Écoutez, sale cri. Les serviteurs ont bel et bien. N'ai plus besoin de vous, esclavage baisé. J'ai envoyé le. Quel ennemi souhaitez-vous voir détruit ? La mort vous a trouvé. Je vais connaître une glorieuse victoire aujourd'hui. Allez, Kaski qui va s'enfiler deux Banshee. Voyez ma glorieuse progression.
chercherons pas ici. Les seigneurs de la déchéance nous récompenseront en malpierre. Mes serviteurs vont prendre des vies pour ma plus grande gloire. Les rivaux ont été bel et bien vus. Ma grandeur s'étale devant tous. Oh putain. Oh non. Les serviteurs ont bel et bien créé de sous-araignées sur la surface. Les têtes d'hommage mettent leur puissance à votre disposition. Montre-nous notre modeste rôle dans ce grand plan. Le seigneur vampire niveau 35, je le sens moyen bizarrement. Wow. C'est mon côté le plus lourd. Non, c'est le mien. Admirez la magnificence du clan Skrayer. Détruisez leurs repères. Les serviteurs ont bel et bien gagné. Salut Zdaskar, bienvenue à toi, comment vas-tu? On continue la campagne Skaven Chaos, là on est au dernier chapitre. Ça va, on défonce du buveur de sang, là, du vampire subfumé. Les serviteurs ont bel et bien gagné. Nous allons réduire nos ennemis en esclavage. Vous gaspillez vos précieuses petites vies. Mon clan sera le plus puissant des clans. Les seigneurs de la déchéance. Ok, il faut que je pète sa tombe. Détruisez leurs repères! Serrez les malbobines! La mort vous a trouvé! Gloire au seigneur de la déchéance! Ouais, j'ai pas trop le choix de récupérer des trucs là. L'empire du dessous va régner sur la surface! Bon là normalement avec ces deux là, avec les deux là je devrais m'en sortir et la tombe en moins c'est bon. Par contre j'ai perdu mon dernier régiment de scaven, mon dernier scaven là du courrier des clans, tant pis. Bon, on a réussi mon deux coups. Le raccordu régnera par la vie. T'aimes bien les scaven d'Aska, hein?
Ok, bon, on a réussi notre coup. On va rejoindre le camp de Torgar. Scammon, yes, yes. La horde de Torgar grossit chaque jour avec l'arrivée de Kaskig et de ses suivants. L'attaque ne peut plus tarder. Dans le même temps, Torgar va se frayer un chemin jusqu'à Talabaim depuis le nord-est. Ok, on va commencer là. J'ai juste rechargé, reformé mes gars là, qu'ils ont pris des pertes. Le passage du Rubek. Coulant dans les montagnes du milieu, le Rubek est un affluent du Talabak à fort courant. Sur sa rive sud, l'Empire a placé sa première ligne de défense sur la route de Talabem. Alors on y va. Ah, j'ai perdu tous mes chevaliers du chaos. Oh putain. Et j'ai pas de canon cette fois. Ok. Alors, voilà le fameux buveur de sang, Torgar le sanguinaire. Hein. Il est tout beau. Oh, il a des piercings sur les tétons, lol. Je dois suivre la piste du massacre. Les dieux œuvrent de façon mystérieuse. Ma route traverse cette rivière. Tu es quiconque s'y opposera. Alors, on détruit le camp de l'Empire et des hauts elfes, ok. Les quatre puissances me soutiennent. La proie a été aperçue. Je vais chercher mes ennemis. La fureur du corps me pousse. Je chercherai la magie la plus forte. Oula. Les dieux entendront les cris de mort de mes ennemis de ce jour. Je dois trouver de nouveaux ennemis à tuer. Il y a un aigle, il faut aller s'en occuper, sinon il va nous poser des problèmes. Tu peux pas t'envoler par hasard, prince démon. Bah pour moi il y a des ailes, pourquoi ils volent pas? C'est ça qui est pas logique. Allez, viens à toi. Du sang pour le dieu, du sang. Reculé. Ah, ils ont une balise, les sacs. Bienvenue
s'opposer aux puissants corps. Notre tribu est la plus forte. Je détruirai facilement cette armée. Les dieux sont ravis quand vos guerriers sont victorieux. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Voyez-vous un chemin. Je ne suis que le serviteur. Les dieux soient loués. Barrage anéantira les nations. Comme vous le voulez, ô privilégiés. Nous gagnerons la faveur des dieux avec le sang de ces mauviettes. Oh putain, il y a un sorcier déjà d'ici. Voyez pour corps. C'est bon. Priez et tuez. Les dieux entendront les cris de mort. Empêchez les de franchir la rivière. À l'attaque. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Il ne peut y avoir de repos. Allez, on ramène tous nos renforts. Du sang pour le dieu du sang. Vos guerriers ne se font pas déshonorer. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Massacrer. Les dieux contrôlent nos destins. Les dieux. Aucune victoire n'est possible face à mes maîtres immortels. Voyez pour corps. Demandez grâce aux dieux. Je n'ai aucune pitié. Les dieux sont ravis de craindre les dieux du chaos. Ces pauvres ne peuvent pas tenir face à moi. Merde, j'ai perdu mon sorcier. Ah merde. Frappez promptement. Empilez les crânes des morts. Anciens,
fuyons. Vos blessures répandront mes offrandes aux dieux. Les dieux sont ravis, car vos guerriers sont victorieux. Nous gagnerons la faveur des dieux avec le sang de ces mauviettes. Vous avez des ordres, puissant seigneur. Alors. Priez et tuez. Seigneur Korg, accordez-moi votre puissance que je puisse repousser cette armée. Conduis-nous, puissant guerrier. Nul n'est plus rapide que nous. Du sang pour le dieu du sang. Le dieu sang. Aujourd'hui, il faut émerger les plus grands champions de notre tribu. Détruisez-les toutes. Tuez-les tous. Nos épées ne peuvent pas toucher cet ennemi. Le pas de sang me pousse en avant. Ok, il y a un prince, il y a des archers, ok. Oui, exalté. Je détruirai facilement cette armée. Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Je suis votre destin. Les dieux sont arrivés, car vos guerriers sont victorieux. Ils arrivent. Aux armes. Il faut les détruire. Tuez-les tous! Nous pavrons l'entrée de la ville de l'Orson! Détruisez-les toutes! Tuez-les tous! Nous vous suivons, grand champion! Priez pour Korg! Glorieuse bataille. Il est en difficulté notre Torgar là. C'est bâtard ça, j'étais en train de charger le décapiteur et ça a pas marché. On va rusher, hein.
souffle des dieux est puissant ce jour. Je dois suivre la piste du massacre. La fin des temps approche. Nous n'avons peur de rien. Bienvenue. Vous avez des ordres puissants, seigneur. Donc les hauts de l'artillerie fit ça. On va s'occuper des artilleries rapidement avec les gargouilles. Je vais chercher l'autre canon tout de suite, comme ça on sera tranquille. C'est bon, on a calmé un petit peu ici. Si je m'occupe de tous ces canons avec les gargouilles, c'est fini. Du chaos, ça va être utile ça. Comme vous le voulez, empêchez-les de franchir la rivière à l'attaque. Bon, on a eu le piaf ici. De ces archelfes ici. Toi viens là, toi aussi. Ok, on les a eus. La mort au nom du seigneur de la mort. Nous ne craignons pas la mort. Ok, vous deux, focussez-vous sur ce prince là, Torga il est trop amoché pour le moment. Voilà.
guerriers ne se sont pas déshonorés. L'ennemi est faible. Comme vous le voulez, ô privilégiés. Aujourd'hui, allez, vous par là. Mes offrandes aux dieux. Allez, on va un petit dudu, là on a l'avantage. Et on va tenter une décapitation là. Ouh, il a eu chaud là. Cette habitation grossière. La fureur de corne me pousse. Gloire au chaos. Les dieux vous ont accordé. Seigneur Corne, accordez-moi votre puissance que je puisse repousser cette armée. Ok, bon, on a réussi, mais on a pris cher quand même, des batailles de guet. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Bon, on récupère 10 000 pièces d'or, ça a bien fait renflouer nos pertes. Et en plus, on récupère un deuxième enfant du Weird, là ça va être très cool. Salut Deléo, bienvenue à toi, comment vas-tu ? La cité de Talabem est au sud et les hordes qui encerclent ces murailles attendent l'arrivée du prince démon. Les restes de l'armée du Tabaclan ont été envoyés à l'ouest et pourraient poser problème à Torgar si Torgar laisse prendre ses troupes par verre. Bon, bah, je crois qu'on est parti pour un petit dudu, hein. On va envoyer notre prince démon de corne, Torgar le sanguinaire, et foutre une raclée à celui qui emmerde le monde.
Un combat courageux. Les survivants de l'invasion de Torgar se sont rassemblés sous la bannière du comte Feuerbach de Talabakland, en ce moment avec son armée déclopée. Qui conduisit en ce moment son armée déclopée vers Talabheim. Ok. Oh punaise. Régénération, ça je le prends tout de suite. On va pouvoir se régénérer un peu au combat, ce serait pas déconnant. Alors l'épée de fureur, elle est pas mal. Hein. Allez. Allons défoncer celui qui va être en face de nous là. Il va rien comprendre. On est parti. A-t-elle encore le courage d'un homme ? Où va-t-elle rester en arrière et laisser ses troupes mourir pour elle ? Bienvenue dans cette glorieuse bataille. Il se débine pas le compte, hein. Ça va, on a pris le dessus sur le compte tranquillement. Allez, on va tenter de décapiter le comte. Tellement pété sans duel avec décapitation. Ok, donc après la défaite du comte Feuerbach, l'armée s'enfuit prise de panique et les gars de Torgar fouillent son compte aux 2500 pièces d'or. Magnifique. Et là notre Torgar il a pris deux niveaux. On va rajouter quoi?
On va buffer ça. Ou alors on va rajouter 2 points d'armure, c'est toujours utile. Il y a une armure à 9, c'est pas mal. Targar qui arrive bien vénère au camp là, après avoir fait un bon carnage. Ça fait plutôt plaisir. Hein. Alors, j'ai récupéré une unité de chevalier, j'ai récupéré une unité de sanguinaire aussi. Deux canons, ce sera pas de refus. Une autre unité de maraudeur. J'ai augmenté les chances de toucher de mes canons. J'ai embarqué une échelle ici. Attends, je regardais un truc dans mes paramètres de stream, il y a un truc qui me dérange là. Non, il y a tout à l'heure correct, j'ai rien dit. Bon, je vais partir avec Thorgar déjà. Les villages autour de Talbaim ont été abandonnés, beaucoup ce ne sont plus que des combres. Devant les hordes de Thorgar, les hommes de l'Empire ont fui, cherchant la sécurité des hauts murs de la cité. La cité de la mort, c'est parti. Les soldats disciplinés de l'Empire, les guerriers elfes élégants et les puissants nains se sont tous rassemblés pour mettre un terme aux ambitions de Thorgar. Le destin de l'Empire est sur le point d'être scellé. Alors j'ai embarqué mon prêtre. Ça va être une grosse baston. Bon, déjà on va embarquer toute l'artillerie. Alors les guerriers universels, on les embarque. Ça, on les embarque. Ça aussi. Les lanceurs de hache, c'est obligatoire. C'est ça. Les vermines de choc, les globadiers, les jezaï, les coureurs d'égout. Il nous reste encore de la place pour 2 unités. Les sanguinaires, ouais. J'ai dit les sanguinaires et eux. Attends, je vérifie un truc, là il faut que je...
Ils ont pas besoin de matériel. Les maraudeurs ont déjà des haches. Ah ouais, je peux rien leur acheter, ok. Je vais partir sur quoi? Voilà, les 4 canons, c'est bon. Ouais, je pense que là, on est une armée puissante, là. Salut Carmos, bienvenue à toi, comment vas-tu? La victoire sera mienne. Aucun mortel ne peut survivre à nos larmes infernales. Les dieux vous observent. Tu es capitaine Stéphane Van Kessel. Ah, merci pour le raid. Bah là, moment, je peux pas voir, comme tu sais très bien que je peux pas, je stream via GeForce, donc là j'ai aucun, je peux même pas voir si c'est un raid. Bah, merci à ceux qui font, merci à CG si c'est le cas, et à tous ceux qui sont là. Allez, on va progresser, on va pousser. Là, on a la puissance de feu la plus redoutable, hein, pour ce scénario final. Deux canons apocalypse combinés à deux canons Malpierre, un Malfoudre. Oh là là, ça va piquer. Bah, je pense que oui, hein, logiquement. Ah, mais c'est un... en fait là, comme je suis sur le scénario final, Carmouse, j'ai un combo duo canon à Malfoudre et canon apocalypse. Je te laisse imaginer un peu les dégâts.
Du coup, c'est mieux Carmos qu'hier que j'étais juste dépassé, que t'avais eu du mal. Si ça laguait à cause de la connexion, je pense, peut-être. Ouf. À mon avis, ils vont avoir des artillerés à un moment. Voilà, merci. Et là voilà la horde de Skaven et de Kaouigai du Chaos coalisée. Y a quoi là? C'est un capitaine. Ouais bah après j'étais aussi dans les temps de chargement à un moment, c'est à cause de ça aussi les temps de chargement, tu sais. J'ai essayé de streamer via comment ça s'appelle? Streamlabs, dès que je revenais sur le bureau pour mettre mon jeu, pour le détecter, le jeu crachait, donc j'avais pas le choix avec GeForce. Le capitaine, je crois qu'il va déguster, tu vois. Oui, je vais envoyer Torga un peu s'amuser. Hein. Si, à moins que. Même pas besoin. Attends. Un point d'armure ultime. Ok, on a localisé le premier point de. De capture. Accordez-moi votre puissance, que je puisse repousser cette armée. Allez, on continue, on pousse. On bouge dès que possible, maître. La proie a été aperçue. Ok, faut avoir... je prépare l'artillerie, attends. Volonté les gars que toute la puissance démoniaque s'abatte sur ces chiens d'elfes. Et c'est un prince démon de corne hein, je rappelle hein, monsieur Torga. Allez on pousse. Ouais. Silence, ça pousse, c'est ça. Vous imaginez, il y aurait une capacité pour recharger plus vite les artilleries dans le jeu, ça serait tellement fumé. Ah bah non, c'est sûr. J'ai envoyé mon gars. On a imaginé le gros canon dans Total Warhammer. Ah si t'aurais vu le gros canon tout à l'heure, Carmos, tu t'aurais choqué mon vieux. Qu'est-ce que c'est? Des arquebusiers, ok. Ouais, un canon, je te jure. Si tu as vu la Queen Bess dans Total Warhammer, c'est un canon comme ça, mais version impériale. Je te laisse imaginer. Ok, on a regagné un petit peu de temps. Je les avais pas vus, ceux-là. La mort de l'ennemi.
cette glorieuse bataille. La proie a été aperçue. Les dieux sont ravis, car vos guerriers sont victorieux. Nous allons nous rendre maîtres. Oula. Il y a un canon, il faut le focus. Il est presque KO le canon. On risque de perdre une artillerie, hein. Bon, là, je pense que le canon devrait tomber, logiquement. Bien joué. Et là, on va faire... Attends, toi, pivote-toi par là. Voilà, merci. Bon, au moins, on a nettoyé le gros des défenseurs extérieurs, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une tour là-bas. En vrai, pour l'artillerie, là, c'est bien. Elle a bien rentabilisé la game, là. Il y a Delbardi, on va essayer de les pilonner. Normalement le canon ne peut pas nous toucher d'où il est. La proie a été aperçue. L'ennemi est faible. Avancez rapidement mes frères. Un millier d'esclaves qui peinent pour nous. Les ennemis n'arriveront pas jusqu'à moi. Ok, là-bas les espéistes ils ont pris une bonne raclée. Je vais agrandir la brèche, tiens. Hachette nous favorise. Ne laissez aucune pierre debout. Je dois suivre la piste dans cette glorieuse bataille. Je pense qu'une fois que j'aurai agrandi ici, on sera tranquille. Hein. On a besoin de ma hache. La fureur du corps ne me pousse. Elles me porteront promptement. Ici seront mes terres. Ok, bon, là je pense que... Bah ouais, mais bon, après là c'est le scénario final, Carmoza. La proie a été aperçue. Stéphane von Kessel, regardez. D'autres terres ont été conquises. Il est niveau 40 le bougre. Je détruirai facilement cette armée. Allez. Attendez de la moucher un peu. Vas-y, recule. On a besoin de ma hache. Feu est mort. Priez et tuez. Vos esclaves vous rendent service. La douleur. J'ai tenté de me faire les canons. Bon, il a déjà perdu 8 PV, hein. Je détruirai facilement cette armée. Pour le dieu du sang. Un magnifique carnage. Les prophètes du roi Hachette prédisent que la victoire sera nôtre aujourd'hui. La proie a été aperçue. J'ai tenté de focus avec les Jayzai sur Kessel. Ouais, ça y est, là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose contre Kessel. On a perdu l'un des canons, fallait s'y attendre.
Je vais envoyer tous mes héros là pour aider. Il y a un canon à feu répétition d'en faire attention. Allez, j'envoie toute l'armée là. Ça y est. Seigneur Korr, racontez-moi votre puissance, que je puisse repousser cette armée. Nous allons réaliser ce plan grandiose. Ça y est, Kessel est éliminé, ça c'est bien. Ouais, je pense que je referai du Totar, mais pas forcément du Warhammer 2, puisque bah, il est assez gourmand et que mon PC actuel ne suit pas malheureusement. Bien joué, on va rentrer dans la ville maintenant. Seigneur Korr, accordez-moi votre puissance, que je puisse repousser cette armée. Allez, c'est le chevalier du signe, je pense que j'en ferai plutôt une série YouTube. Alors là, en ce moment, je suis sur Poséidon, pour ceux que ça intéresse. C'est un jeu de construction qui date des années 2000. Ça va être compliqué vu que t'es un peu décédé. Allez, vite. La mort est mon serviteur. Empilez les crânes des morts. Retrions-nous. Liquidez tout. Il y a une odeur de sang frais. Nirk, la guerre. En avant, mes frères. En avant. J'adore le ça va être compliqué tes décès. Bah en même temps je l'ai tué. Je l'ai tué avant qu'elle dise ça, c'est un peu, tu vois, c'est pour ça que j'avais dit. Cette campagne du chaos était vraiment géniale. Je l'ai adoré. Un petit jour je la referai quoi. Alors un peu ce que nous dit l'épilogue final. Bah ça va, on n'a pas eu tant de pertes que ça pour un assaut, on a juste perdu les canons à malfoudre, le reste ça a tenu quoi. On a tué 3 héros. Mais honnêtement la stratégie des canons au début pour one shot les rideaux défensifs au fur et à mesure, c'était vraiment pété quoi. Bon, je suis plutôt gros dans cette campagne. On va voir ce qui nous attend. Vaincu, terrifié, les défenseurs de Tal Abaim cèdent devant la horde de Torga. Des milliers de réfugiés fuient la ville accompagnés des soldats. La prochaine sera nulle. J'arracherai le cœur de l'empereur Magnus pour en nourrir les chiens. Quel spectacle sanguinaire! Les dieux vont nous récompenser! Rien ne peut me résister. L'Empire est en ruine, ses armées brisées sur nos lames. Ils seront tous mes esclaves. Personne ne me tiendra tête. Ah, vraiment? Thunder for Wag!
En général, je fais quoi? Du Age of Empire. Là, en ce moment, je suis bientôt là, terminé les campagnes. Je vais retourner sur Age of Empire, du coup. Je dois faire les trois campagnes de la définitive édition qui s'appelle Les Derniers Khans. Il y a une campagne avec Tamerlan et les Tatars. Une autre avec les Bulgares d'Ivailo. Et la dernière, c'est les Coumans avec Kotian Khan. Je fais quoi d'autre? Je fais un peu de bah, des Jov, du Total War. Des choses comme ça, quoi. Moi j'en fais un petit peu, mais je suis vraiment je suis entre 800 et 900 en ce moment. Donc je remonte petit à petit, j'essaie de faire des BO, mais je galère un peu quoi. Ok. Donc là, il nous restera encore une campagne à faire plus tard. Donc je pense que dès que j'aurai terminé les campagnes de Age of Empire, on reviendra faire la campagne des orques et gobelins. Ça c'est prévu. Alors je vais regarder un truc. Je vais couper le jeu, le live, il est quelle heure? Il est 23h45. Ouais, non, je vais arrêter là ce soir. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis plutôt content. En tout cas, bah merci à toi Momon, merci à toi Carmouse d'être passé, merci à Dilo qui est venu tout à l'heure et à Daskar. Je voulais vous remercier à tous de votre fidélité pour ce live. J'espère que bah, ça vous a plu. Et mercredi, je vous retrouve sur le début de la campagne de Tamerlan sur Age of Empires 2 Definitive Edition avec les Tatars. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser. Ciao, ciao.